Zanmim yo, fwè Maksèm yo, pep kap prepare pou siel la. Kompatriot ayisyen nou yo, bonjour, bonsoir. Nou mwen se Keti Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sou chanel YouTube Fos Priye, kote nou priye, honore, glorifiye bon Dieu, e li la Bib nou chak jou, 3 chapitre par jour. Devise en chanel fausse prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui dans ciel, nous baissons bien bas devant face bénie pour nous implorer assistance divine nous dans fausse prière. C'est vous-même qui, papa, nous, c'est vous qui tout pour nous. Tant pis, papa, nous pouvons commencer à fausse prière, nous demandons tant pis. Oui, Saint-Esprit, viens assister nous. Rete bon côté, nous, Seigneur. Pardonnez péché, nous, Seigneur. Nous voulons bon 1000 baisers dans chaque pied, chaque jour. Pendant que nous baisons pio, nous beau pio, Seigneur. Tant pis, pour un regard favorable sur tes enfants, à tes pieds agenouillés. Aidez-nous avec nous, Seigneur. Dirigez-nous. Pardonnez péché, nous, avec le sang de Jésus. Et au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons commencer avec le numéro 488 des hymnes et louanges. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, chers amis, frères et sœurs, nous pourrons continuer avec événement des derniers jours, le chapitre 8, intitulé Les villes et sous-titre Les premiers bâtisseurs des villes, pages 113 et 114, paragraphe 376 à 378. Lorsqu'il fut l'objet de la malédiction divine, Caïn se retira de la maison de son père. Son premier métier était de cultiver les champs et il fonda une ville qu'il nomma comme son fils aîné, Genèse 4, verset 17. Il avait fui la présence du Seigneur, rejeté la promesse du paradis restauré, afin de rechercher, dans la malédiction du péché, ses richesses et ses joies sur cette terre. Se faisant ainsi le chef de cette grande catégorie d'hommes qui adorent le Dieu de ce monde. Pendant quelque temps, les descendants de Noé continuèrent d'habiter dans les montagnes où l'arche était restée. Comme leur nombre s'accroissait, l'apostasie introduisit bientôt la division parmi eux. Ceux qui désiraient oublier le Créateur et rejeter les contraintes de sa loi, se sentirent constamment importunés par les enseignements et les exemples de leurs compagnons qui craignent encore Dieu. Et, au bout de quelque temps, ils décidèrent de se séparer de ses adorateurs. Ils migrèrent donc vers la plaine de Shinéar et les bords de l'Euphrate. C'est là qu'ils décidèrent de construire une ville et une tour d'une telle hauteur qu'elle serait la merveille du monde. Genèse 11, versets 2 à 4. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 488. De ton esprit, remplis mon âme. De ton amour, remplis mon cœur.
En moi toujours brûle la flamme du saint-zélé, de la ferveur. En moi toujours brûle la flamme du saint-zélé, de la Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec la lecture de la Bible. Et je dis, nous allons lire 1 Rois, chapitre 19, 20 et 21, avec nos sœurs Elsie Baoulette et Livoncia Louisius. Mais avant de faire ça, chers amis, nous allons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous en haut dans le ciel, là, nous remercions pour bonté et pour grâce infinie. Nous remercions pour belles paroles qu'on voit pour nous chaque jour. Pour nous appeler, pour nous faire lecture, pour nous apprendre, comprendre, nous connaître de jour en jour, pour nous connaître comment nous obéir à parole. Et si nous parlons dans la parole à l'Éternel, nous ne connaissons pas vrai. C'est ça qui fait nous prions en grâce pour tout haïtien dans le monde, là, frères et sœurs, nous, monde qui l'église, nous, Seigneur. Pas quitter distraction faire yo pas connait deux fois yo c'est pour yo lire bible chaque jour pour yo apprendre connait mettre yo et pour yo connait toute belle promesse qu'on fait pour yo en Seigneur pour yo pas rater promesse ça yo c'est pour yo connait parole là l'Éternel. Aidez-nous avec nous Seigneur, pardonnez péché nous du les cieux, restez avec nous Seigneur, fais nous rester pour nous manger parole là matin midi soir et on va faire ça pour tout haïtien à travers le monde même gens qui ont besoin nourriture physique, c'est comme ça qu'on a besoin de nourriture spirituelle, tout Seigneur. Nous prions comme ça, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. 1 Rois chapitre 19. Suite d'Élie au désert. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Et là, il entra dans la caverne
et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. En ces mots, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, ou roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, ou roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, ou prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élisée appelé à succéder à Élie comme prophète. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, et qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens. Or, pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis, il se leva
suivit Élie et fut à son service. Amen. 1 Rois chapitre 20. Victoire d'Akab sur Ben-Hadad, roi de Syrie. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaque. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Le roi d'Israël répondit, « Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Les messagers retournèrent et dirent, « Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain, à cette heure, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. » Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, « Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. » Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, « Ne l'écoute pas et ne consens pas. » Et il dit au messager de Ben-Hadad, « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur. La première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit, » et le roi d'Israël répondit, « Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs, « Faites vos préparatifs. » Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toutes ces grandes multitudes? Je vais la livrer aujourd'hui entre les mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Akab dit, « En qui ? » Et il répondit, « Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. » Akab dit, « Qui engagera le combat ? » Et il répondit, « Toi ? » Alors, Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël. Et il
étaient 7 000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad en buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires, les serviteurs des chefs des provinces, sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez-le, il est vivant. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces de l'armée qui les suivaient furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car, au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue avec autant de chevaux et autant de chars. Puis, nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Afek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres. Tandis que les Syriens remplissaient le pays, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens t'ont dit, « L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Amen. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea. Et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit dans la ville d'Afek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent,
Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes. Et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être il te laissera la vie. Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, ton serviteur Ben-Hadad, laisse-moi la vie. Achab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Des hommes tirèrent de là un bon augure et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui. Et Achab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie, et moi aussi à Achab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approche et amène un homme en disant, garde cet homme. S'il vient à manquer ta vie, répondra de sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait, ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Amen. Amen. Un roi, chapitre 21. La vigne de Naboth.
conduite criminelle d'Akab et de sa femme Jézabel. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jisréel. Avait une vie à Jisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vie pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vie meilleure, ou si cela te convient. Je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jisréel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangera rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jisréel et je lui ai dit, cède-moi ta vie ou de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vie à la place. Mais il l'a dit, je ne te donnerai pas ma vie. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jisréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publier un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. D'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, ils publièrent un jeûne. Et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi puis ils le menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent et ils mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vie de Naboth de Jisréel,
et a refusé de la céder pour de l'argent. Quand Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jizreel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, le Tishbite. En ces mots, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où des chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai. Quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Ashija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour en faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable. En allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles de lui, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Et il jeûna. Il couchait avec ce sac. Et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils et que je ferai venir le malheur sur sa maison. Amen. 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 Amen, Sissi. Amen. Amen. Un roi, chapitre 19. Élie est découragé. Roi, quand vous racontez Jézabel,
madame ni pour ça il était fait ils ont été touillés pour prophète Baal. Isabel voyait une mission par Eli. Il voyait dire c'est où? C'est moi. C'est pour bon Dieu, un petit gros punition qui gagne, si demain l'est comme ça, elle n'a pas fait où tout ça pour te faire prophète. Il est vinté. Il courait, mais Dieu, pour sauver la ville. Il prend un domestique li avèl, pralé la ville de Sheba, dans le pays Jida. Il quitte domestique li a là. Lui-même marchait tout une journée dans le désert. Il était la chita en ballon braille, yon ti pied bayawon. Il m'a dit l'amour. Il dit. Ma capable encore. Seigneur, ton mou est confiné. Ma pi bon passe les ancêtres en yo. Il a gé kolamba, pi ba ya on nan, domi en plan. En temps nan domi, nous anj, en souke. Il dit le consent, levé ou manger. Il voyage, il garde bon côté. Il voyait un petit peu plat en cours à yo, cuit sous charbon diffé, à tout crèche de l'eau botteté. Il mangeait, il brûlait. Il est fini, il couchait. Il dormit encore. Zang, c'est hier, tourné une deuxième fois. Il s'occupait. Il est fini. Il dit, levé ou manger. Parce que voyage là pour long en pile pour vous. Il est levé et manger. Il boit. Manger à Bali con force courage pour marcher pendant 40 jours, 40 nuits, un jour qu'il vivait sous mon Oreb, mon bon Dieu. Dès qu'il arrivait, il entre dans une grotte. Il passe une nuit là. Seigneur a parlé à Eli encore. Il dit lui, Eli, qu'est-ce qu'on fait là? Eli répond, Seigneur, mon Dieu qui a tout pouvoir, on remet où en pile? On ne va pas faire sa peuple Israël l'a fait ou là? Et pas que le contrat était passé avec ou là? Écraser l'hôtel ou yo? Et tout y a tout prophète ou yo. C'est moi-même celle qui était, mais y a cherché tout y est. C'est elle a dit, li, sorti. Vim tombe devant seye a, sous tête mon nan. On va le passer. Seye a vin a passer, un gros vent vin lever. Il prend vente bien fort. Il fonde mon yo. Il pète roche devant Seigneur. Mais Seigneur a pas de vent. Le vent cassé. Seigneur a pour en trembler. Et Seigneur a pas de tremblement de terre. Le Seigneur a suspend trembler. Il gagne un diffé. Mais Seigneur a pas de diffé. Après, tu fais un petit bruit tout petit, faible, une petite brise, tout faible, vient à souffler. D'ailleurs, il est en deal, il couvre tête, avec un gros rabli. Il sortit, il campait devant la boîte là. Il est en deal, une voix qui dit, Eli, ça va faire ici, là. Il répond, Seigneur, pour Dieu qui a tout pouvoir, je remets où en pile. Je ne sais pas où est-ce que Israël l'a fait ou là. Il n'y a pas que des contrats qui étaient passés avec ou là. Il a écrasé l'hôtel ou yo. Il a tout prophète ou yo.
c'est moi-même seul qui était. Mais il a cherché tout yé. C'est à dire, lui, allez, non. En même route, vous êtes passé dans le désert. Vous venez ici, là. On est la ville d'Amas. Vous entrez la ville d'Amas, vous prenez Azaël, vous mettez le roi, pays Syrie, non, non, non. Après ça, vous avez la caille Jéhou, petit garçon, Nimchia, vous mettez le roi, pays Israël, non, non, non. Le fini, vous apprenez Élisée, petit garçon, Shaphat, mon la ville à Belmeola, va mettre à pas dans l'ombre pour servir prêt en place. Tout le monde qui va chaper en bas mais Azaël va tomber en bas mais chez où? Tout le monde qui va chaper en bas mais chez où va tomber en bas mais Élisée. Mais m'a quitté 7000 monde vivant dans pays Israël là, c'est monde. Et pas mettre à genoux devant Baal. C'est vrai. Ni qui pas pour estati liyo. Il est nommé Élisée dans place lui. Il est parti pour joindre Élisée. Petit garçon Shaphat là, qui t'a rabouré au jardin avec 12 bébés. Élisée t'a rabouré dernière portion terre à 12e bébé là. Là il est proche bon côté. Et il était beau rad qui était sous l'IA, il voyait sous Élisée. Même Léa, Élisée qui était bef lio, couru derrière lui. Il dit le consolat. Qui t'aime, elle dit maman, à papa, pour le voir en vain. Après ça, ma suivre. Il répondit, mais tournez où? M'arrêter où? Moi-même. Qui s'en fait où là? Élisée quitte Eli. Il tourne et tourne. Il prend un père bœuf. Il touye yo. Il prend bois chouk yo. Il y met du feu. Il prit viande là. Il bay moun qui était avec yo pour yo manger. C'est fini. Il parti à jeune Eli. Il était avec elle. Amen. Un roi, chapitre 20. La guerre à pays Syrie. Benadad, roi pays Syria, réunit toute la Mélia. Rendez le droit avec tout choyo à Chalagueyo, puis mettez tête ensemble avec elle. Benadad a marché sous la ville Samarie. Il s'enil et attaqué. Livoye mesay en dans la ville là, bon côté Akab. Ou à pays Israël là. Ou dili, moi Benadad voye di ou, tout bagay ou gen en l'or en argent, c'est pour lioye. Tout madame ou yo, à tout pi bon petit garçon ou yo, c'est pour li yo et tout. Wa kab répond, di wa Benadad, met mwen, te jan li vle la. Li met pwam ensemble à tout sa mgeye. Mesaje yo tourne encore. Vinti à table. Mais ça, Benadad, vous voyez, dit où? Vinti, vous voyez, m'en dit où pour bon moi, tout ça, ou qui en l'eau, à ton argent, tout madame a qui petit pour yo. Ou n'y a, demi verre, comme ça. M'en voyez, moun pa m'yo, pour yo fouye parler ou là, à taille tout moun pa ou yo, pour yo prendre ça, y a jeune qui gagne valet. Danger.
Wakab an fè rele tout chef fami ki nan peyi ya, li di yo kon sa. Je nou wè la, nom sa, soti pou l'pran tout sa nou genyen. E de wè madan, e de wè mande madan mwen yo, se gason yo, tout bagay an lò ak an ajan mwen genyen. Mwen pa refize lan yen. Chef fami yo ansanm ak pep la di l kon sa pa koute l pa dako avèl lè sa ak ap di mesaje Benadab yo an di mè mwen wa Benadab li te dako ak sa li te mande m premye fwa mè sa mande m fwa sa mba ka fèl mesaje yo pati yon kote repons nan bay Benadad Benadad wo ye toune al di Akab an map vin ak an pil moun pou m kraze la vil Samari a gen a se demoli pou m bay chak moun e va avem yo ti kras pou yo pote ale si telman yavan vil si m pa fe sa Se pou bon Dje yo, bon pi gwo pinisyon ki gen. Wa, ka voye repon ni. Yon solda pa fèt la vante tèt li anvan lal goumen. E nadab dabre, ak lot wanyo anba tant yo le yo pote repons akab la bali. La men, I bay moun pal yo, lot pou yo mache sou la vil Samari. Se kon sa, yal pare pou atake. Le sa, yon pou fèt bon diye, vin chwen atab. Li di l kon sa, me sa se ye ya voye, di ou. Ou e tout kantite soldat sa yo? Ebe lage yo, nan men ou jodi ya. Kon sa, ou akone se mwen men ki se ye ya. Akab mandel, e moun pou pa fè la ge yo nan menm jodi ya. Ou fè la repon ni, se yon avoye di ou, te jen soldat ki sou lòt gouverneur provans yo ki pral fè. A mandel ankor, e moun ki pral atake anvan. Ou fè la repon, ou menm. La menm, Ou a fè rele jen soldat ki te sou lòt gouverneur provensyon. Li jwen 230 soldat an tou. Apre sa, li fè rele tout la mè pèp Izrayèl la, li jwen 7000 gason. Se midi, yo soti al atake pandan Benadad ansanm ak 32 lòt wa ki tap mache avèl yo tap bre an ba tant yo. Se jen soldat yo ki tap mache devan. Benadad dan te voye alwe jen sa ye bo kay moun pep Izrayèl yo. Yo vin di li, yo we yon group soldat ki tap soti la vil Samari. Le sa, li di, mbade se konen, si yap vin pou goume ou sinon pou mande la pe. Kenbe yo vivan, ene ban mwen. Jen soldat gouverneur yo sorti la vil la pou yon atake. Rap mache devan, res la meya tap suiv yo. Yo chak yo touye moun ete vini pou goume ak yo wa. Moun pe yisiri yo prokouri. Israel yo menm tap kouri de yo. Benadab menm resi chap ekol. Yo chwal ansan ak lòt kavalye. Wa Akab vin atake lè sa. Li touye chwal moun siri yo, li krasè chalage yo. Li bat moun siri yo byen ba. Apre sa, pou fèt la ajwen wa Akab, li dil kon sa, ou met toune kounye ya. Mete la me ou la an fòm. Kalkile byen sou sa. Ou pal chè.
Parce que dans un an, pour date, le pays syrien est en attaque encore. Deuxième attaque au pays syrien. Chef, qui était avec le Ben Haddad, vint-il? Bon Dieu, ben Israël, yo, c'est bon Dieu, mon yo, yo. Et peut-être ça, yo, bat nous, chan, yo, bat nous. Mais, si nous gourmets, ak yo, nan te plat, ouwe pa ouwe, nan bat yo. Pounye a, et ça ou pa fait. Ou ti commandement nan men l'autre royaume. Et que chef pa ou yo nan place yo. Ou même ou pral monter yon gros la mer tant kou la mer ou ben di ya. Même que tu te choual a chal la gen ou te gen avant. Ou pral goumen ak moun pèp Israël yo nan plein. Wa pwè fwa sa ta bat yo. Wa Ben Haddad d'accord. Il fait sa chef yo, te dit le fait ya. Et nan apre, dat, il réunit tout soldat moun pays siri yo. Il mène yo chouk la ville à sec pour y attaquer moun pays Israël yo. Akab réunit tout la mè pep Israël la, il ba yo sam a provision. Yo soti a contre moun siri yo. Yo separe de groupe. Yo monte kan yo, devant la mè moun siri yo. Soldats pays Israël, yo te semblé ak des ti bonne cabrite devant la mer, mon Syria même te couvri tout pays. Yo prophète bon Dieu qui tu na cab. Wa Israël là. Il dit comme ça. Mais message c'est voye ba ou. Parce que mon Syria dit c'est un bon Dieu mort moyen. Mais par contre, t'es plat. T'es pas lagué pour gros la messa. Non, mais où? Comme ça, moi, connais, c'est moi-même qui s'est réa. Pendant 7 jours, mon Syrio, mon Israël, yo, rete dans le camp, yo, yon en face. Au 7e jour, yo commencé, omé. Mon Israël, yo, touye 100 000 moun Syri. Ça qui te chape yo, koui ale la ville a fait. Le yo rive la, mi ray la ville la, tombe sou yo, di touye 27 000 soldats, qui te rete yo. Ben Haddad te touche à pekol, dans la guerre, et entre dans yon kay, la cache dans yon pièce, jouk nan fond. Moun pal yo, vin joué ni, yo di le konsan, nous tande Jean roi pays Israël yo c'est mon qui gen bon cœur pour nous autorisation pour na joine roi pays Israël là n'a mette rat ça sous nous pou moun yo fait prisonnier pour pa jam konnen qui ka sauver la vie ou c'est comme ça mette rat ça sous yo tant pou moun qui nan la peine. Yo ploton on est morceau corde nan pou yo y a joine akab yo di le konsa Ben Haddad voye di ou mon wa c'est esclave liye tan pri patouye akab repon il se vivant toujours et bien content c'est yon frè liye pou mwen oui. On Ben Haddad yo prend ça pour yon bon signe. Yo répète parole qui te fait sort dans bouche wa. Yo dit le comme ça. Ben Haddad c'est frère mon wa. À ta répondre. À chercher. Venez bon moi. Ben Haddad sorti côté le terrier là, il paraît devant à table. À table seul monter sur chat. Ensemble avec. Ben Haddad dit, après mettre toute la ville, papa me te prend, nan mes papa ou yo. Pour mettre l'ouvre boutique dans la ville d'Amas pour femme. Même genre, papa me te fait la ville Samarie. Akab répondit,
Si c'est comme ça, on passe au contrat avec. Moi-même, je quitte où, à faire où tout. Je passe au contrat avec Benadad. C'est fini de quitter à faire où tout. Bon Dieu condamné. Dans la même époque, ça, c'est à parler avec nos prophètes, dans le groupe prophète Lyon. Il va aller l'ordre pour demander à l'autre prophète. Mais le prophète a de refuser. Et ça, le prophète l'a dit comme ça, peut-être vous de refuser obéir l'autre Seigneur, séparé n'a séparé, tout le lion a trouvé où. On savait, allez, premier prophète là, allez, tout le lion vient arriver, dit tout le prophète là. Après ça, premier prophète là, contre tout l'autre monde. Et Mandel pour le balcon. Comme la frappe bien fort. Je vous mette sans le déo. Laisse fini. Prophète là, ouvre ses guilles. Il m'en sort toile. Tout le monde a reconnaître. La campe est pour route là. A peine ou à passer. Et ou à venir passer. Prophète là, pour parler bien fort. Il dit comme ça. Ah, mon roi, maintenant, ni en bataille là. Je t'ai goumé, les soldats mené l'ennemi, ils te fait prisonnier. Et dis-moi comme ça, et amitié pour moi. Si vous quittez le champé en bas, mais où, à couille où, ou sinon, vous avez payé 3000 pièces en argent pour lui. Mais, mon roi, je dois m'occuper à faire l'autre bagaille. Prisonnier a sauvé. Bah, Israël l'a dit, le consent. C'est vous-même qui condamnez le tête ou? C'est fini. Pour dire ça ou gain pour payer, pour ça ou faire. Vous faites la pressée, vous mettez mon sous toile qui était bouché figuille là. La même, vous reconnaître, c'est une prophète. Vous faites la dit, ouah. Mais ça, c'est à vous dire. Peut-être ou quitter. Moun mwen te ba ou lòd pou yo touye a chapé, c'est ou même qui pral payer pour lui. Ou pral mouri. C'est l'armée ou qui pral payer pour l'armée pal. Ou pral mouri. C'est comme ça, papa Israël là, on est là Kaili, la ville Samarie, qui est tout bouleversé. Mini et bien malé. Et wa chapitre 21. Jardin rezé na bot la. C'est une là. Ils étaient ça. Après, tout bagage sa yo, mais ça qui rive. Dans la ville d'Israël, tout prépare ou à Kabla, et yon jardin rezé qui te pou yon homme yon te rele na bot. Yon jou, ou à Kab, Zina bot konsan. Comme j'ai des raisins ou là pour me faire yon jardin légumes. Et tout près kay mwen. Pa ba ou yon l'autre jardin raisin qui pi bon passer ça. Ou sinon si ou pito pa ba ou yon bon prix pour lui. Mais na bot répond à Kab. C'est héritage lié. Après la loi Seigneur, on pas moi pas gain droit avant nous li. Akabala kayli mini bien mal. Volé, t'es fâché. Pour ta boîte te dit, il pas vend ni bien héritage li a. Il monte cabane, il couché. Il ba figil dans panno. Il te refuse manger. Jezabel, madame ni, vin bo côté elle, demande elle. Ça ou gen ou mauvais comme ça. Qui ça ou pas manger? Aka répond, il dit lui, m'balla na bot, mon Israël là, me mandel pou le vendre moi jardin raisin là. Ou sinon si li pito, pa balé yon lot pou li. Mais les dim ki pa ban moi jardin là. Isabelle dit lui. Comment
c'est pas où qui voit dans pays Israël là encore. Mais non, mon cher, quand j'ai mangé où, est-ce que vous content? Je vais le bas où j'ai des raisins à boîte là. Jezabel écrit quelques lettres. Il signe nous en table en bayo, il scelle yo à soi. Et puis il voye yo, bay chef famille à autorité qui était la ville d'Israël, même côté à Naboth. Mais ça, il voye Dio dans l'être yo. Prenez tout le monde pour un service jeune. Mais Naboth pour les diriger ce service là. Les finis, jouent des vagabonds. Fait yo vin camper devant pour acquiser, garde li de respecter Seigneur. Ensemble à quoi? Fais ça, apprenez à botte. N'a traîné en dehors de limite la ville là, la calonel roche, jouk li moui. Chef ami yo, autorité, la ville d'Israël, yo fait tout ça, Jezabel, pa yo l'ord fait, en lèk yo. Yo fait connaître, yo pral fait service jeune, yo fait tout. Être là assemblé, que mettez la boîte devant pour diriger ce service-là. Des vagabonds viennent griffer, pour camper devant la boîte. Pour acquiser messie devant tout le peuple là. Pour dire de respecter bon Dieu ensemble à quoi. Là même, vous prenez la boîte. Vous menez en dehors limite la ville là. Vous calonnez les roches, vous les mouilles. Après ça, vous voyez, dit Jezabel, ah, on calonne dans la boîte roche, il mourit. Recevoir, Jezabel, recevoir nouvelle dans mon abord, la dit à Kab. Ah, lève-nous, à quoi jardin raisin dans la boîte. Nous avons vu Israël là, pour jardin dit le fils et vannou, en boîte pas dans mon ici encore, il mourit. Léwa à Kab, tendez dans la boîte, nous avons vu Israël là. Et mourir, l'aller, puis prendre des raisins pour lui. L'instant, c'est un voie parler à Kelly. Pour faire la ville Tisbéa. Il dit comme ça. Ah, je veux le roi Akab dans le pays Samarie. Moi, je veux le cougnier dans le raisin d'abord là. Il vient prendre pour lui. Moi, je dis lui. Mais le message, c'est un voyé balé. Pour finir tout yé nabot. Pour n'y a ou sorti pour prendre jardin raisin là. Après ça, quoi dire encore, mais ça, c'est un voyé diou. Même côté chète ni chè son nabot là, c'est de pour yo ni chè son pa ou tout. Le akab ou eli. Dire comme ça, eh ben, l'ennemi, moi, vous jouez, moi, je dis, ya. Et il répond, il dit, ouais, moi, jouez, non. Parce que c'est vrai que mauvais bagaille, ou appelé des faits devant Seigneur. Mais le message Seigneur, vous voyez, bah, où? Ma voyez, vous gros malais sur vous, vous pouvez disparaître. On parle tout yé dernier garçon, grand monde kout si moun, nan famille ou. Sa ki te rive, famille ou a Jéroboam, petit débat là, a famille ou a Bacha, petit Akisha, c'est ça qui pral rive, famille pa ou la tout. C'est moi même qui fait ça. Parce que ou femme fâché en pile. Le fini, c'est où qui la cause, peuple Israël là, a fait ça qui mal. Mais ça, c'est à dire sous Jezabel. Chez, de pour manger cadavre dans la ville d'Israël. Chez pour manger cadavre tout le monde dans la famille à Kab qui va mourir dans la ville là. Mal fini, car un clou va manger cadavre tout le monde dans la famille qui va mourir en dehors de limite la ville là. Pas jamais de personne méchant ou à Kab. Et que la gécole net c'est ça qui mal devant Seigneur. Puis te quitter madame ni Jezabel prend tête li. Il te fait bagaille net net
a fait service en pour vieux idole tant que monde amorio yo te fait là. C'est monde amori ça yo c'est ya te mettre dehors dans pays ya pour faire place pour monde Israël. Et il fin parler. A cap prend la peine. Si le gars souli et mettez un gars sac. Il était sans manger. A ta dormi, li dormi, a grand sac la souli. Il a marché kagou. Après ça, c'est y a parlé à Kelly, la ville d'Ishbea, et dit le comme ça. Ouais, j'ai à cab, vindou, nan piel. Est-ce que lui fait ça? Papa ni mouri, avant me voyer malheur, sous famille. Tu vas pendant, oui, petit garçon là. M'a voyé malais sous famille. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous voulons passer à la prière, mais avant nous faire ça, nous voulons chanter Viens mon âme. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Saint, 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 l'Éternel des armées, Papa nous qui dans le ciel là, qui mérite adoration, exaltation, louange, bénédiction. Mes petits tout yon en force prière. Agenouillé devant face bénie pour implorer assistance divine ou même qui tout pour nous ou même qui papa nous c'est ou même qui ka fait nous ka lever main nous en l'air pour dire béni soit l'Éternel c'est ou même qui ba nous langage pour nous parler pour c'est ou même qui mette belle parole pour nous faire lecture chaque jour pour nous nourrir nom nous c'est ou même qui ba nous boire nous ba nous manger c'est ou même qui mettons toi sous tête nous. Alors que dans le pays côté nous y a, il y a un pile de monde qui fait dans le pays, à Seigneur, il n'y a pas de côté où il aurait été. Béni soit l'Éternel. Nous tous haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui ont un bon travail pour nous faire, qui ont une profession, qui ont une caille, qui ont une petite, qui ont un mari, qui ont une madame, c'est pour nous lever deux mains en l'air pour nous dire béni soit l'Éternel. Parce que pays nous pas bon. Même l'œil était bon, j'en ai vivi ici, nous pas vivre comme ça l'autre bord. L'Éternel des armées mettez-nous dehors pour nous capable prendre soin l'autre qui derrière à couler là. Et si nous même nous pas dehors nous ensemble avec yo, puis faut nous te disparaître déjà. Bon Dieu nous remercie pour bonté pour façon jalouse qu'on prend soin nous. Merci pour le sacrifice de la croix. Ou bon nous bagay sous la terre, parce que côté de nous, premier bagay pour nous dégarder, c'est le royaume. Nan. L'Éternel, pendant notre travail pour le royaume, nan, ou ban nous tout dégui, côté gen pour ban nous. Nous demandons l'Éternel pour quitter nos focus, pour nous projeter regard nous sous Jésus et sous Jésus seul. Pas quitter aucun bagatelle sous la terre. Vine faire nous perdre du royaume là pas quitter distraction des petites choses vine déranger route nous ranger chemin nous déranger trajectoire nous vers le pays de lumière ou même papa moi qui voyait promesse ou by petit tout ou tout pas chambre quitter nous seul toujours avec nous jusqu'à ce qu'on retourne et c'est ça fait. Ou toujours accompagner nous, ou ba nous tout ça nous besoin sous la terre. L'Éternel des armées, si nous t'a dit un jour que nous pas gain ceci, nous pas gain cela, c'est parce que nous remet trop bagaille pour marer connou avec lui sous la terre. Et toute bagaille ça yo gain pour rester sous terre alors que nous-mêmes nous va joindre nous gens que nous t'est venu. Nous mandeo dans bonté ou dans grâce infinie ou pour faire nous toujours garder en l'air pour ne pas chambre garder à terre pour nous focus sur Jésus et Jésus seul
Nous demandons pour bon nous l'amour qui sorti directement de nous-mêmes pour faire nous remer famille nous amis nous. Tout le monde qui bon côté nous, tout le monde qui créé sous la terre Seigneur pour nous gagner l'amour qu'on gagne pour nous. Pour ne pas voir ça qui riche, pour ne pas voir ça qui éduqué, pour nous voir tout le monde plateau, plat. Pour nous passer ces consorts nous tout péché qui sous la terre. Nous demandons va pardonner péché nous blanchir nous dans le sang de l'agneau, mettez-nous dans condition pour nous servir parce que Seigneur moun k'ap servir c'est moun sa yo qui gagne un avenir dans l'éternité. Si nous pas servir, si nous pas connaît, si nous pas lire Bible nous, si nous pas prier, si nous pas oublier tout ça sous la terre pour embrasser le ciel ou mettez-nous dans monde là ou dit que n'a vive dans monde là mais nous pas du monde parce que c'est dans où nous sorti et c'est dans où n'a tourné. Aidez-nous avec nous, prends soin nous, pardonne des péchés nous du haut des cieux. C'est comme ça nous prions avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse luire sur nous sa lumière céleste, qu'il nous donne son Saint-Esprit à double portion, que son amour reste dans notre cœur pour partager cet amour avec nos prochains et tout le monde, et qu'il nous donne sa paix avec l'Esprit Saint aux double portion au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire et la délivrance et guérison pour nous chaque qui souligne, pour chaque monde, exactement, qui pourrait être des fausses prières. Victoire et la délivrance pour pays nous en Haïti. Amen. Amen. Zanmi myo, frè ak sè myo, pèp k'ap prepare pou siel la, compatriote ayisyen nou yo. Merci infiniment parce que nous te prend temps pour prier et li la Bible nou avec channel YouTube Fòs Priye. Pa bliye, priye bay puissance, priye bay victoire, priye bay pouvoir, priye bay force, priye approchez-nous plus près du Créateur et priye c'est une clé qui ouvre toute porte et avec force prière n'a pas accompli tout ça. Zanmi myo, frè ayisyen compatriote nou yo, nous pralé, mais n'a quitté nous sous attention, affection, direction et protection. Papa nous qui dans ciel là, le Tout-Puissant qui pas jamais oublier nous. Sous ça, zanmi myo, frèm semyo, n'a di nou au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye, bye.